Alors, bonsoir à toutes et à tous. Michel pour le direct de la Web TV. On se trouve ce soir à ligny en Combrésie, avec un groupe de... Il s'appelle comment le groupe C'est les New Rockers. Et on a Sébastien avec nous. Alors, un groupe de, de rockers oui, c'est ça. En fait, on est une association de musiciens amateurs. Sur la base, en gros, c'est une rencontre de, de plusieurs copains, copines, musiciens. Et euh, plutôt que de jouer tous dans notre coin, euh, on s'est formé en association et on s'est dit, quitte à jouer, autant essayer d'animer euh, bah, le village par le biais de, de petits concerts lors de manifestations. Et des gens du groupe assez timides Oui, oui, tous. On a une chanteuse qui est cachée derrière la palette. On a une guitariste qui est assis dans un coin, <coughs> notre futur batteur qui est dans l'autre coin, et puis euh, Philippe, notre bassiste derrière. Ça se passe comment pendant les concerts s'ils si se cachent tous euh, Je leur fous des coups de pied. <laughs> Alors on vient vous voir pour Rock In Hell, euh, c'est quoi Alors Rock In Hell, c'est en gros notre soirée. Euh, on a fait euh, des choses pour d'autres associations, mais euh, là c'est vraiment notre soirée. Donc c'est un concert euh, pour Halloween qui est euh, gratuit. Euh, on a même invité euh, d'autres personnes à joindre à nous. C'est vraiment le, le partage dans la musique. Donc on a. Euh, euh guitariste qui va venir de Reims, qui vient nous rejoindre, une chanteuse de la région parisienne. On a un batteur qui vient de Nancy et en plus de nous, on a un groupe qui va venir de de Lille, euh, plus un autre groupe qui vient de Proville. Donc pour nommer tout le monde, donc en gros c'est Rudy qui vient de, de Reims, le guitariste, Muriel, chanteuse qui vient de Paris, Ludo, batteur qui vient de Nancy, euh, Américarma qui est en fait euh, aussi une association comme nous parce que dans ce ce concept, en gros, on voulait que ça soit vraiment associatif. Donc, Amerikarma qui est aussi une association, qui a un tribut de offspring qui va prendre quelques titres, et puis l'association monte le son à Proville qui est aussi, bah, euh, comme nous, hein, montée monter avec des musiciens amateurs qui vont venir nous faire quelques reprises. Derrière ça, on a l'école de danse de Lini. Que tu as interviewé le week-end dernier. Oui, vous faites des échanges. Voilà, c'est ça. On leur a fait un petit concert. Ils vont venir nous faire quelques représentations de danse. Et on a aussi la country, les Rhythm and Boots de Delini, qui vont venir nous faire quelques danses. Alors, le tout, c'est sur le thème d'Halloween. C'est bien de venir déguiser. Si les gens ne sont pas déguisés, on l'acceptera quand même. Et, et le tout, c'est de passer une bonne soirée avec un DJ qui va finir la soirée, un petit jeune qui, qui se lance, qui s'appelle Thibaut. Vous êtes sur quel genre de reprise Ou c'est des compositions Non, c'est pas des compositions. Nous, c'est vraiment des, des reprises. Donc, euh, tout ce qui est euh, Radiohead, euh, Nirvana. Euh, on, on a un titre de Johnny, Allumer le Feu qu'on va jouer, du Téléphone. Et euh, plutôt accès à années 80, voire 90, avec du pink aussi. Bon, années 80, j'étais pas dé ou, ou très peu euh, <laughs> Ça va se passer. Bon, Alini, euh, quelle date et à quelle heure alors c'est à Ligny le samedi 28 octobre, euh, on commence à lancer le show à partir de 19h. Et à Ligny à quel endroit À la salle des fêtes de Ligny. Donc il faut venir déguiser, ça va être une ambiance de folie. Vous avez prévu jusqu'à quelle heure bah, On a prévu officiellement jusqu'à minuit pour un peu limiter et après bah, les gens qui sont dans la salle, tant que la fête continue, on improvisera. Alors euh, en bon record qui se respecte, euh, buvette, restauration alors, buvette sur place, petite restauration, on a prévu des petits trucs sympas, hot dog avec des petits doigts saucisses qui se baladent dedans, euh, quelques sandwichs, euh, euh, façon euh, euh, raclette, jambon gratiné, et puis oui, une petite buvette. Euh, la salle des fêtes de Ligny peut contenir combien de monde Parce que si tout le camp brisé arrive, ça va faire beaucoup de monde Ouais, alors sans réservation, euh, on a prévu un peu le fil. Alors si on reprend la, la base des soirées années 80 organisées par, euh, par euh, Olivier Grière, euh, il accueillait jusque 300 personnes euh, en flot un peu continu. Voilà, c'est un peu notre fil et notre modèle. Stéphanie l'a d'ailleurs appelé pour prendre pas mal de conseils. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Euh, le mot de la fin, il vous est réservé Eh bah, ben le rock n'est pas mort. Merci. Merci à vous. Euh, donc euh, pour les gens qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure, euh, demain, sur le www.le-direct-de-web-tv. Ce soir, on sera en haute définition sur notre chaîne YouTube. Je vous donne donc rendez-vous le 28 octobre à la salle des Fêtes de Ligny, en Cambrésie à partir de 19h. Messieurs, dames, bonne soirée. Pareil. Merci.